tu me reçois? Ils ont prévu large. Il n'y avait pas de taille médiane. Y'a un mec qui vient de sauter là. Ouais, y'a un mec qui est sorti. Croisade gauche. C'est parfait là. Je rappelle, on prend le 104. Le. Ouais, c'est ça. 180 ouest. Ah, Sylvain. Est. Tu vas partir sur la radio? Non, vas-y, pas. Check radio, check. Parle pas dessus. C'est bon. Bon, tu vas rester avec moi pour l'instant, on va suivre mon soutien et je pense que je t'enverrai en volant là où il y a besoin vu que t'es le seul médic. Et c'est oui, pas comme possible que je d'habitude. T'accompagne. Oui, vous êtes rouge. Je te suis, pas besoin de que tu te contrôles sur moi. Dunko Fuckball, vous êtes bleu. Reçu. Billy, avec moi t'es vert. Mais non, c'est bien quand elle est levée et qu'elle est derrière tes fesses. Asso, vous devez pas être couverture est. Ouais, justement, je suis en train de me dire la même chose, tout le monde est du même côté. Il me semblait aussi, mais. Putain, ouais. Il y a deux secondes, on m'a corrigé. Passe en m'a rouge, dit à coup. Ouais, on est rouge. Et apparemment, c'est de l'autre côté que ça se passe. Par la carte, c'était marqué. Pas bien ça. On doit s'y prendre pour ma lunette, je vois que dalle à part le chenille qui s'éloigne. Tu m'entends? Oui, je t'entends nickel. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il était. Il est comme ça. Oh! Ah bah y'en a un qui va avoir une médaille. Ouais, je pense pas, il y a vraiment personne, hein. Ça a l'air vraiment bizarre. Je sais que le bruit peut porter loin, surtout dans ces montagnes. Surtout quand on est en haut d'une montagne. Ouais, ouais. Pour soutien, venez vous caler à 50 mètres à l'est en haut de la crête. Bleu, vous suivez rouge et nous on suit. Okay. On remonte tous sur la crête, couverture sud-est. Rouge devant. Ouais. Ah, il va falloir refaire quelques réglages de son. Ouais. Oh, le joli village. Y'a peine si je t'entends, on fait à 148 à Mystérium. Ah putain, vous êtes sérieux? Pourtant, je suis au max. Hein. Tu me diras, Setch aussi, hein, je l'entends vraiment faible. Moi je l'entends super bien, Setch. Ouais? Ouais. Bizarre. Ta
T'as fait les changements dans Acre, test le truc Acre sur. Enfin, alors, dessus moi, porte ma lunette, village désert. Oh, c'est quoi ça? Moi, je les ai pas fait non plus. Hein. Dans les plugins, vous ouvrez. Aucun signe d'activité. Acre. Vous avez settings qui va apparaître. Ah, oui. Vous cliquez dessus. Ouais. Moi, j'ai décalé le prémix global volume de deux crans à droite. Il a okay. x3 et le post-mix global volume de un cran, deux crans à gauche, je pense. Et il a x3 aussi. Là. Ouais, donc il est à 3 quoi. Il est à 3 ouais. crans le dernier. Et l'autre il est à 5 crans plus de 1. À peu près, ouais. Bah, le, celui du deuxième il est 2 crans avant. Un niveau, ouais. Celui du haut il est 2 crans après. Bien plus si je t'ai mis une lunette en plus la vieille. Le premier c'est pourquoi? Ah, attends, je sais plus, tu t'entends? C'est des configs de Acre et on a eu des soucis. Elle devait être Night Vision. C'est une NVS, mais elle a pas de Night Vision, je crois pas. Ouais. Le dernier en fait. NVS, c'est Night Vision, c'est comme ça. Ah, si, vision nocturne dans les autres. Et celui du haut, ça doit augmenter ton volume à toi. Donc si tu veux mieux, si tu veux mieux t'entendre, il faut que j'augmente celui le deuxième. Check le radio pour assaut. C'est mieux Frisbee là? Ah, grave. C'est nickel. Merci, Mister. Il faudra le dire à tout le monde ça. Ah ouais, là, c'est ouais mais c'est pas comme si j'avais pas mis dans le poste hein. Faut lire quoi. Ah bon? Tu décolles. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Ah bah, j'ai déjà fait. Le poste qui a été copié trois fois sur le qui forum. Ton sud là et tu te positionnes en haut. Ou par contre elle est vachement moins grossissante. Ah bah ouais. Frisbee. Je trouve pas tout à l'heure. C'est dégueulasse. Tu vas prendre la position d'assaut là qui sont au 110 sur leur crête. Ok vu. On est et parti ben, direction 110. Parti à coup. Ouais. On stoppe sur la butte qui est devant nous. Ouais, confirmé. Ça va. Ouais. Répète. On stoppe ici. Ah. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va dire que rouge plutôt gauche de crête et bleu droite de crête. Regardez ce qui est en contrebas et compagnie, c'est l'endroit qui est vraiment pas sûr quoi. Devant il y a ce qui est passé, donc à la rigueur on va dire que c'est clair. Mais nos pieds, on n'y voit rien, c'est une horreur. Ah bah voilà. Ah ouais, vu. Patrouille qui vient plus ou moins dans notre direction. Ils viennent de passer derrière le relief. Ah non, on les voit encore à l'arrière. On ah ouais, oui. Putain merde, c'est Vector il donne pas de distance ce coin là. VR. Bah c'est ce que j'ai fait. Reste appuyé. Ah. Oh putain, je suis un vrai noob. Putain, faut que je... À ma petite cause. C'est ça. Mais c'est surtout qu'il faut juste... Roger, pour info, contact sur votre flanc gauche direct, 800 mètres. On avance, direction 120, direct. On dépasse, hein. On les dépasse. 120 direct, on passe, on suit pas la crête. Non.
même pas vu qu'on ait des... On savoir des étoiles. Ah, elles sont dégueulasses, c'est seulement pour un œil. Ah oui, ah bah voilà. Ah, ok. Voilà, vision tunnel, on peut pas mieux faire. Ah mais là on a plus le choix que le mettre. Suis. C'est bien malheureux. C'est du net gen 1 ça. On s'arrête de nouveau quand on aura dépassé la crête. Je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée. Patrouille droit devant sur la crête en direction de ouest. Aussi. Contact sur la à l'est, elle vient sur le ouest. 4 hommes. Ah putain, je me gourde. Ah, je me gourde au bouton, ça m'énerve. Contact sur l'avant, patrouille en direction de notre position, longeant la crête. Ouais, positionnez-vous pour l'engager. On se positionne. Pour engagement. Pardon, je t'ai pas écouté si là. Distance actuelle, moins de 300 mètres. Merci. 275 mètres. Attention frisbee, t'es dans la ligne. Ah merde, t'es là? Là je me décale. Eh, putain, mais je suis vraiment un gros nounou. Et ce qui va faire feu sur la patrouille, dès qu'ils sont morts, assaut, vous prenez direction mètres. De la patrouille et l'objectif c'est la crête par là où ils sont arrivés. Soutien quand vous voulez. Allez-y mec, que je prends garde. Un peu à droite, il y avait un mec qui s'est allongé là. Relève. Abattu. C'est bon les 4? Théorie oui. Yasso, vous pouvez y aller. USB, on tient la position, on surveille partout. Ok. On reprend la couverture droite-gauche. En particulier gauche, c'est parfait les à-coups là. Vous allez sur la crête qui est au sang là où ils sont arrivés. Azimut 300, alors, contact. Ok, contact, 30. Au 30, ouais, y a la patrouille est à l'arrêt. Patrouille à l'arrêt au 30. Grande colline. Au moins 3 hommes. Patrouille, ouais, ils sont en train de marcher. Au 300, Sylvain, t'es sûr? Putain de dieu, mais ils sont. Ah, but. Au 30, au niveau des rochers, au 30, des arbres. Putain, ils sont en alerte. Mystery, on peut engager, on va perdre l'avantage. Ok, ah c'est parfait, allez-y. Un coup, allez-y. J'ai jeté un œil dans le trou là-bas. Je vois pas, t'as pas chargé traçant, Tita. Plus à gauche aussi. Hein. Ah, plus à gauche. Ouais. Plus court, et plus à gauche. Pas mal. Plus courte rafale, ça disperse trop là. C'est bien là, touché, éliminé. Il y en a un juste presque vertical en dessous de celui que t'as tué, il y a un mec au dessous d'un rocher. En 3 là, je les vois, ils courent. Il y a des rafales de 2. Ah ouais, je les vois aussi, mais justement s'ils courent, je suis incapable de les toucher. Attends, c'est que... Attends, je vais me positionner. Laser. Qui? Mais enlève, change ton viseur et... Je te guide au laser. Dans là-dedans aussi. Bon, ça y est, j'ai perdu une visu sur un bonhomme. J'en ai vu 3, ils doivent être dans les forêts maintenant. Voilà. Il y en a un au niveau des rochers. Tu tapes devant là, tu tapes dans le sol devant. Ok, nous, je le vois, il est ici. N'hésitez pas à mettre vos lasers. J'ai jamais mon laser, je vais quitter. À gauche, plus à gauche. Arrête, ça. Fais pas le court, plus à gauche.
encore à gauche, encore à gauche. Bon, pas mal sur le niveau, un peu plus bas. Un peu plus à droite. Un peu plus en dessous. Bas. Un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus à gauche. J'étais en train de me dire la même chose. Non mais arrête de tirer aussi vite à coup. Plus court et là c'est plus en bas à gauche. Plus en bas à droite. Ouais mais t'as vu tout ce que t'envoies là, j'ai même pas le temps. Bah oui mais tu... Bah tu t'envoies toutes tes balles. La mienne si tu veux à coup, j'ai une grimpe. Toujours au même endroit à coup. Ouais, bah prends dans mon sac. Économisez vos balles, on est qu'au début là. Donc à coup si tu veux je peux passer ma lunette qui est nocturne. Ah non, le marksman il va la garder. Tu vas la garder, par contre ça t'empêche pas d'engager la vieille. Hein. Bah sur les cibles en mouvement, tu sais, c'est ça. Je suis pas assez fort pour les toucher. Ça c'est embêtant. Frisbee ? Ouais. Oui. Tu peux pas le mettre. Ok, arrive, je vais te laser un truc. Qui est toujours au 30 là, qui est en train de marchouiller. Là. Vu ? Ok, j'enlève mon laser, je vais te guider. Vas-y. Okay, alors ça bouge. Tu tapes devant là, tu tapes sur la colline devant. Laisse tomber, 5, tu tapes sur la 10, colline devant. Zimut 8, au niveau des rochers. Ah ouais. T'as l'air sûr que tout à l'heure, je t'avais parlé, mais tu répondais pas sur la radio. Tu peux pas engager lui. Il est bien reçu, bougez pas. Mais parce qu'ils sont plusieurs en fait, je pense. Tu veux une distance ? Tu m'as dit quoi, pardon ? Je sais pas 22. Si tu m'entends quand tu parles sur une des radios au lieu sur la droite. Ah, on s'en va. Je regarde tout à l'heure, j'avais repéré en azimut 30, mais j'avais pas eu de réponse de ta part. Et après, les autres ont détecté. J'étais à côté de toi parce qu'après, ok, un contact au même endroit que tout à l'heure, je vais te le laser. Ok. Sauf que vous étiez tous en train de regarder au 30. Wisby ? Là. Non, il reste des contacts sur la gauche. Seulement, je fais un moment, vas-y. J'observe plus ouest. Plus à gauche. Attends, putain, il bouge quoi. Voilà, plus bas. Il y a un défi sur la gauche, oui. Ouais. En bas des rochers. Plus bas. Bah, du coup, assaut, essaie de faire un recours rapide au sommet de la crête pour voir de l'autre côté. Ah, il reprend plus à gauche. Ah, il revient, remonte. 340. Plus à gauche et en bas. T'as pas assez baissé là, tout ce que t'as baissé là. Gauche. Putain, mais attends. T'es bien aligné, mais plus bas. Ouais, il est bien là. Il bouge à peine. Oh. Plus à gauche. Okay, plus les yeux. Ouais, c'est bon, le feu là, c'est trop imprécis comme ça. Il a arrêté. Il se lève. Ouais. Putain, mais comment tu fais pour le voir? C'est là. Tu le vois pas quand même. En fait, faudrait que les autres lasent et puis que moi, que je. Il faudrait que quelqu'un te lase la cible et que moi je te guide, parce que je peux faire les deux en même temps. T'étais dessus, hein. T'étais trop à gauche. Et pourquoi tu mets pas l'autre lunette? Pourquoi tu t'enlèves pas la lunette et que tu te mets en mire métallique? Tu donnes la distance et déjà ce sera déjà mieux. Regarde, hein. De toute façon, vu que tu vois rien, autant 545 mètres. Ok, il me reste 8 balles. 545 mètres, je vais te le laser un coup. Ça, tu peux regarder à peu près. C'est du 762. Là. C'est là, tu vois l'arbre, c'est en dessous de l'arbre. Ouais, c'est ça, on est dessus. Prends ça comme repère, il faut que tu sois toujours à la verticale de l'arbre. Vas-y, c'est bon. Plus bas. Fais rafale plus courte, fais 2 balles max. Et c'est plus bas. Plus bas encore. Voilà. Là, je vois que de 300, alors c'est chaud. T'es dessus, sur cible. Avec ton fils quand même, pratique. En fait, tu tires devant nous là de temps en temps. Là. Ah, tu l'as touché. Vous êtes à nouveau, non, monsieur la vieille. On va vous faire une formation. Ah, mais ça, je te fais confiance. Un voile plus. Il bouge. Ça se le tire. Moi, je peux les traiter. Il est descendu un peu à droite. Mais il est immobile, le contact, la vieille là-bas. Je vais te laser parce que tu peux te le faire facile. Hein. Là-bas. Sur ta droite, la vieille. Bon. Et là, il bouge, mais il est resté statique jusqu'à maintenant. Vas-y, donne-moi la distance. Il est où? Ok, je l'ai, c'est bon, Sparfel, il est là. 524 mètres.
Ok, c'est reçu. Pardon. Dès qu'il aura traité son contact, vous partirez azimut 100 là. Tu vois la crête à une espèce de. 540, 550 là à peu près. Je vois surtout un trombeau. Quoi? Un trombeau. Un trombeau hier. Bah, je crois qu'on a nos potes là-bas, non? Qui a mis son trombeau hier. Ah oui, oui, oui. Bah, ouais, c'est un, c'est une. Ouais, une balise d'un de nos potes. Je sais pas si c'est sur lui que je tire. Un, ouais, bah, un truc que je tire un peu. Ouais, t'es pas mal la vieille, un peu trop à, en haut à gauche, plus en bas, plus en bas à droite. Charge. Ouais, mais j'ai toujours le même mec. Ouais. Il est en mouvement la vieille. Ouais. On va peut-être pas gâcher nos munitions pour un mec seul. Il bouge plus. Non, il fait des alertes là. Même pas vu l'impact là. Il s'est repoussé. Ouais, c'est pour ça que. Faut comment là? Ouais, si. Mais je vois pas du tout tes impacts. Ok. Ouais, j'ai laissé tomber parce que si un 5 ou tout dépenser pour rien. On pourra se le faire plus tard. Ou... Vas-y, je vais me le faire au M4 non. Moi. Bah, j'étais en train de réfléchir, ouais, je me suis dit à 500 mètres. Ah bah, si tu veux la lunette, je te la passe. Hein. 2 minutes et puis tu me la rends. Ah, c'est bon. Comme tu veux, c'est parfait. Plutôt beaucoup trop haut, mon coco. Si seulement il voulait bien se rapprocher un peu, ce qu'on a. Allez, viens, viens, là, bon. Bon. Un plein cul. C'est un concours. Froggy, regroupe. Ah putain, mais cette vision dans un... de boulot, c'est horrible. C'est claustrophobie. Je suis là. Froggy la vieille. Ouais. Vous allez vous rapprocher, 200 mètres, vous allez éliminer ce machin, je veux plus l'avoir dans notre dos. Ça marche. Quoi? À coup de parfait, vous bougez pas, vous faites un soutien si nécessaire. On a un homme seul. Oh, j'entends quelqu'un qui crie là. J'ai entendu quelqu'un crier juste à côté de moi. Quelle direction? Ouais. Juste là. Oh putain, ouais. Exact. T'as eu? Ouais, c'est bon, ouais. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Bleu poursuivez quand même. T'es sur mon laser là. Je te suis la vieille. Ok, mais tu peux nous allumer le mec qui reste? Alors, attends, je te le remets. Il faut que je le retrouve. Ouais. Ok, vu. Ouais. Par là-bas. Juste un petit peu en bas. Juste un petit peu plus bas, bon, c'est pas grave. On va y aller. T'es prêt, Frog? Je suis là. Ok, c'est parti. Je leur fais des signaux. Taser. C'est toi qui va le traiter. Hein. Soutien pour commandement. A priori, il reste des contacts isolés entre vous et nous. J'en ai peut-être un autre là. Ok, attends, je vais le traiter. Ah, il y en a deux, il y en a un autre là. Essayez d'avancer un petit peu là sur le 50, voir ce qu'il y a en contrebas. Et... Faites attention à vous. Pourquoi ce putain de laser il passe son temps à s'éteindre?
vérifie qu'il y ait personne sur la pause. À coup. T'as vu, il y a le mec qui court en face là. Pour laser. Mais bon, là tu pourras pas t'appuyer. On se sent du mal à t'appuyer, si. C'est bon, tombé. Ok, traité. Bien. Vas-y. Il y a potentiellement d'autres dans cette allée. Laser. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vois... Ouais, attends, je vérifie s'il y a encore vivant. Ah non, la vieille l'a eu, la vieille l'a eu. C'est le tir. Ouais. Mais je confirme. Alors, ils étaient là-bas tout à l'heure. Deux, combien d'abattre. Il y en a un qui était là juste avant qu'on s'est. Mettre en mouvement, donc il doit être dans peut-être ce un, dans ce, cette zone là d'après ouais. Moi. C'est ça. Parfait, le... on peut pas vraiment voir en contrebas, faudrait vraiment plus s'avancer. Si bougez pas, c'est rouge qui va y aller. Bleu, pardon. Ce que vous allez faire, vous allez aller sur le 100. Merde, c'est combien 110 devant nous là. Pour avoir un visuel dans toute la vallée, enfin le petit Alveg, le machin, le truc, t'as passé à comme tu veux. Juste le petit mamelon devant nous, quoi, là, ouais, c'est ça, je confirme. Ça dépend de la distance, mais. Ouais. Surveiller l'arrière gauche là, je vais regarder devant nous. Enfin, tout le vallon quoi. J'aimerais bien scotcher le mon désignateur laser sur mon vecteur. Comme ça je pourrais désigner les cibles. Ok, a priori rien dans le Talveg en contrebas, on peut aller checker les rochers qu'on avait sur notre gauche tout à l'heure, mais ça paraît un peu loin. Négatif, recollé. On a avancé un petit peu par rapport à notre dernière position, 50 mètres sur l'avant, terminé. Terminé, on arrive HEA 3 minutes. Reçu. Je me fais niquer dans mes touches moi chaque fois là, entre les radios. Ouais, bah ouais, j'ai la radio commandement, j'ai sur une touche et c'est la touche du cycle des radios en fait maintenant. Chaque fois que je vais parler à Mystery, je clique là-dessus. Sans mettre sur votre gauche. Énorme. Si je m'équipe, je dois pouvoir m'attacher un strobière. Est-ce que ça fait un gros machin qui... Enlève tes NVG et que tu regardes un peu sur... Le... Depuis... je regarde ta tête depuis un peu l'arrière. Je vois le... la lumière de tes NVG. Ouais. Comme un truc vert, ouais. Attends, je les mets moi si tu veux. Ouais. Je sais pas où t'es. Ouais. Non, je vois rien. Ok. Vous voyez mon strobière que... Ouais, c'est faible. Ou alors devant, on le voyait pas. D'accord, ok. Ok, on décroche direction le 120, là sur la grande colline. Parti. Le petit pompon qui clignote. Vaut mieux que Arma 2 où t'avais l'impression d'avoir un phare sur le dos quoi. Attaché à l'épaule. Enfin bon, techniquement un strobe hier c'est plus puissant que ça quoi. C'est fait pour être visible. C'est vrai. Alors, tu sais que normalement ils peuvent les voir depuis les airs. Ouais mais avant je crois que Seth il l'a attaché, ça se voit bien, hein. Je le voyais bien. Ah si, c'est discret mais ça se voit bien.
Équipé comment, Foggy, en 10h là? Apparemment, il y a le chef qui doit être sur le sommet, est-ce qu'on le rejoint? Mal. J'ai un point en rouge. Ouais, bah, avec la MDG, de toute façon, tu feras rien de plus. Ouais, on continue là-haut. C'est pareil, faut que j'arrête de parler à la radio en fait, ça porte loin. J'ai une roquette HEDP. C'est pour assaut, préparez-vous à engager le campement en flamme là. Tiens, où il y a le feu. À coup, frisbee, pardon. Qui voit en place ordre précité. Ordre précité. Ah, ouais. Ouais, c'est un campement. Et juste là, en fait, bah, y a deux mecs même. Celui que tu vois pas, ils sont. Bon, bah, on a perdu la vieille. À cause parfait en visuel, le camp, Froggy sur l'avant, a priori, il y a du monde devant nous. Et si tu veux régler ta mire, le camp, l'état. Mais je sais pas. Hein, 340 mètres. Ok, vous faites feu dans 15 secondes. Il est, le mec il est à gauche du feu, si tu vois un petit, le petit conifère qui est à gauche du feu. Devant nous, en fait. Et économisez les balles, vous rafalez que si il réplique lourdement en bas. Il a tout à saut, tu vas leur tirer dessus. Je crois que t'as pas eu ton binôme. Ah, il y en avait d'autres. Ouais, il a une déco. Enfin, il va en avoir une. Ouais, à droite du camp là, il y a deux mecs près des tentes, mais ils sont en train de se faire démonter. Oh, mais c'est un mec qui sent dégueulasse. Grave. Mais on peut pas se passer parce que la nuit est totalement. Il fait noir noir. Ah ouais. Ah, suffisamment. Ah, c'est beau quand même le ciel. C'est beau. Ah. Mais... Un peu plus... Enfin, il fait super noir. C'est agréable. Ah, c'est joli, mais on voit pas grand chose sans. Il va falloir dire à la vieille de pas bouger. Ça a l'air cool, non? Ouais. Je pense que c'était pour être en normal. De... Réalisé, hein. Ouais, c'est fait pour être en normal, mais pourquoi il faudrait se remettre? Il en reste un dans le basket. Pour asso, il y a encore un mec en vie là sur le camp. Ouais, décale sur ma position. Là. Ah oui, attends. La tente, tu vois, la tente ronde, il est debout dedans. À droite de la tente? Ouais, c'est ça, exact. Bah ouais, vas-y, c'est là. Donc t'es un tout petit peu long. Je crois qu'il a un tout petit peu beaucoup de dispersion aussi. Ah, vas-y, mais t'es exact pour ça. Bon, il est neutralisé. Ouais, je peux donner ça. 60. Il a l'air d'être neutralisé. Et en fait, sur okay, pour assaut, vous descendez sur ce campement et vous investiguez pour voir s'il n'y a pas d'informations sur les rebelles. Vous prenez quand c'est bon. Vous avez le support de soutien qui vous surveille depuis la hauteur. Tu me diras. Faut privilégier vraiment du. Quand c'est loin, du balle par balle ou du deux balles quoi. Tu descends sur le camp et tu vérifies que les mecs sont bien morts et s'il n'y a rien d'autre à regarder. Dans la... Azimut 71 sur la colline voilà. En face là, c'est ça qui... On a un contact avant qu'on descende. Azimut 71, ça s'active apparemment. En haut de la colline, 71. Ah, ce ciel est magnifique. Un deuxième qui passe la crête. Ok, bien vu, ouais, ils sont encore un peu loin, on va attendre qu'ils se rapprochent avant de les engager. Azimut 71 sur la crête, vous les voyez les gars là? Ouais, ouais. Bon. 1000 mètres, 1100 mètres. Ouais, confirmé. Easy. Ah merde, il l'a vu. Non, ils sont, pas, ils sont à 600 mètres. Fermier, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, à 600 mètres. Attends, mais comment tu tires du télémètre? J'arrive pas à suivre la distance, moi. VR. Bah ouais, mais... Il reste appuyé. Ah ouais, ok. On en apprend tous les jours, hein, Mystérie. Hein. Ah putain, ça ouais. D'ailleurs, j'ai réussi à avoir deux informations là, mais. Bon,
Alors, si vous pensez que vous pouvez les abattre d'ici, allez-y, hein, mais gaspillez pas 500 balles pour deux mecs. Et continuez de surveiller la vallée là qui est en contrebas parce qu'à Zemu 30, j'ai vu une patrouille qui se barrait au nord. Au fond de la vallée. Ça serait derrière nous. Y'a des mecs qui surveillent le sud là? Ouais, ok, je viens de les voir. Un Froggy, il fait un peu. Parfait. Tout. La tour de contrôle. Ouais, ils se rapprochent, les types. En deux. Bah, avec le bordel qu'on fait, j'espère bien. Lesquels, Sportfell? 110? Ouais, c'est 70, ouais, mais c'est vrai. Vas-y, mets 70, 9, ouais. 900 mètres ou je sais pas combien. 536 mètres. Combien? 536 mètres. Oh putain, il y en a des plus proches que ça? J'en ai à 1000 mètres. Au bah, là, tu vois la première colline devant nous? Ouais. À flanc de colline, là. Je suppose qu'à couille. Ah ouais, y'en a aussi. T'as vu en... là où ils sont les mecs, les plus proches. Tu retournes vers la crête, y'a des mecs qui arrivent aussi là. Y'a un mec qui arrive sur la crête. Ah ouais, on en a 110 maintenant. 100. Ah oui. Azimut, ouais. 90 plutôt. Par contre, ah oui, c'est proche. Nos copains là. Azimut voilà. Ici là. Ouais, tu peux les laisser. C'est 330 mètres ça, la coup, en crête. Vas-y quand tu veux. Pour assaut, tout se passe bien. C'est bon tir, 1 neutralisé, peut-être pas mort. Un peu plus long. Froggy ? Ah, pas, là on fait les mêmes tirs et c'est bon. Ah putain, il a bougé. Ah. Il est touché, il est touché, hein. Tu l'as touché. N'hésite pas. Sur votre sud-est, c'est le, ouais, le soigne, sommet qui est après votre point. C'est vraiment du balle par balle du coup. Ouais, tu l'as touché, c'est bon. Il est tout plus haut sur la crête. Au-dessus des lasers là. Trailleur. T'étais pas mal. Non, c'est bon, c'est ce que c'était bon là ton tir. C'est pas mal, c'est bien. Et ça tape juste devant lui là. T'as pas ses pieds, je vais tirer un petit peu plus haut et ça. Halte feu. Y'a un mec couché devant lui, ouais, vous l'avez juste vu. Juste en bas à droite devant lui, y'a un mec couché. Essayez de le laser, les mecs, si vous pouvez. On est d'une inefficacité totale là. Non, mais ouais, ici ils font n'importe quoi. Non, non, à gauche là où je vise, y'a un autre mec. Hein. Ouais, mais c'est loin ça. Non, ils sont au même niveau que les autres. Juste derrière la colline là, où ils sont morts, il arrive là, il va, ouais, sur les cadavres. Ok. Donc il est juste à côté. À rigueur, attends qu'il se relève à coup, tu le verras comme ça. Il est là le mec là. Ah ouais, sinon sur le laser t'as un type. Ouais, sur chaque laser t'as un type. T'as que l'embarras du choix là. T'as sur lequel? Ah ouais, t'es un peu plus long. C'est bon, on a neutralisé. L'autre il est derrière le buisson au niveau. L'endroit où t'as tué le mitrailleur, il est juste là. Il décale sur la gauche. Un peu plus haut, un peu au-dessus du laser. Un peu plus long. Ah, neutralisé, c'est bon. GG. Ça serait bien que tu récupères le flingue à la vieille, je pense qu'il nous a fait une fausse déco là. On peut pas le récupérer là, si. Je sais pas, à part le buté. Il y a du contact à 800 mètres en crête. 60 ça a l'air calme de votre côté, donc rejoignez le point 2766 secteur 3. Je sais pas. Je répète, 2766 secteur 3. J'espère. Non, maintenant, à la limite, à cette distance-là, tu fais vraiment que du coup par coup. Ouais. C'est moins efficace. Pas la passer en coup par coup, cette batteuse. Ça te va. On peut pas passer en coup par coup.
Bah, le coup par coup, c'est le doigt de. Le jour, la j'aime mettre faut juste cette qu'il soit moins long sur fonctionnalité. la souris. Ah, plus besoin de buter Izia. En même temps, c'est tellement nerveux ce truc. Du coup, j'ai une bande de sang dans mon sac. Et la vieille, il est perdu, perdu là? Ouais, je crois, ouais. Pour le moment, ouais. Moi. Ou alors il y a les joues avec d'autres mecs. Il s'est fait attaquer par un éclair, peut-être. Je sais plus où il y a des orages ce soir. Hein. Que chez toi. Hein. Eh? Que chez toi, hein, parce que moi, il n'y a pas d'orage. Hein. Ah non, mais chez moi non plus. C'est... Ah! Mais je crois qu'il y a des orages quelque part en France, ça, puis, ça c'est sur les 3 jours. Il y en a tout le temps. En ce moment. C'est saison. Ouais. Bon, dès que soutien. Dès que Casso sera sur la crête là qui est à notre est, on les rejoindra. Et dès qu'on arrive là-haut, tu te redéploies pour couverture. Est-nord-est et on surveillera Asso qui traversera les crêtes. Ça te va? Où est-ce que tu veux exactement là? Bah, la crête là qui est au. Bah, la à l'est, première! Là, en face là! Ouais! La première! Ouais! Ok, d'accord. Oui, tu te déploieras là et il y aura Asso qui poursuivra le long des crêtes. Là-dessus. Je pense qu'il y aura peut-être un coup d'œil à jeter sur ce qui est au sud-est là. Que l'on voit rien. Là. Ok. Dans le top. Bah le top c'est quand Asso arrivera là-haut. T'es en train de dépouiller Kadar. Bouge ouais. Asso, ah voilà c'est bien. Ça si, si, ils sont 5 ah là. Oui. T'es dessus. Un peu plus loin. Pour Asso, bien reçu, on travaillait tout. On le croisait de toute façon. T'es dessus, il est blessé. Il faisait pas un lance-grenade. C'est bon, abattu. Ouais, vous avez le support de la MG là. Ils sont où là? Il y a d'autres contacts? Non, non, c'est eux là, c'est le gros groupe là qu'il faut zigouiller là. Ils sont où? Azimut on les voit pas, 75 sur les lasers d'assaut là. Au niveau des arbres. Ouais, c'est loin. Ouais. C'est loin, c'est à 500 mètres. 500 mètres. Ouais, fais à volonté, la MG trouve que c'est un peu loin en fait. 500 mètres, tu peux y arriver non? Là-bas, ouais. Frisbee? Oui? Bah, du coup, on part maintenant là! Froggy, recolle, je sais pas où t'es. Asso, une fois que vous avez fini d'engager vos contacts, vous allez sur leur position à eux. On avance tout droit à la planète. Sylvain? Ouais, je suis là. On est planète, derrière un soutien. Je suis là. Et on est sur. Ok. Allez, cours, monte, cours, cours, cours. On va prendre la position de la hauteur. Avec... Oui. Je pense que j'ai pas beaucoup de choix à faire pour cette mission. Oui. Le seul qu'on a perdu. Bah, il est pas mort. Il est pas mort, mais son esprit est parti. Je ne pense pas que tu aies quelque chose pour guérir ça. Choc post-traumatique. Comment? La vieille a eu un choc post-traumatique. Son esprit l'a quitté. Il y a une coquille vide maintenant.
Une fois là-haut, on fait attention, on essaie d'engager les mecs que t'arrivais pas à engager là-bas et on est obligé de s'exposer, de s'approcher parce que t'es incapable. Ok ? Il y a une pure ambiance dans cette équipe. Si jamais on va aller jeter un oeil au sud. En ligne les mecs, déployez-vous en ligne sur la crête, attention. Voilà, exactement, ouais. PKM ici, au pire. Ouais, t'as peut-être des chances de tirer avec, à coup. Ça a l'air d'être neutralisé. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ouais. On est arrivé après la fête. J'ai une écharpe si vous voulez, mon colonel. Non, je pense que ça ira. C'est la poussière surtout qui me. Mon nez ne supporte pas. Bon, on voit rien d'ici en fait, c'est ça l'idée. Oui, exactement. Bon, eh bien, on va aller sur la colline au 60 là. On est reparti en colonne. Wasso, prenez position sur la butte qui est sur votre nord-est. Et... En fait, assaut, ne bougez pas, c'est très bien. Ah, il arrive, il me pousse, là, voilà. Une manière. C'est le chef. Ah non, c'est le médecin. Non, c'est pas le chef, en plus. Ah, fais gaffe, parce que si tu lui tires dans les... tiens dessus... plus de médecin. Et comme par hasard, tu en as besoin juste après. Connaissant super bon. Allez, Akou, tu peux le faire. Tu peux le faire. Je crois en toi. C'est un coup qui se fait taunter alors qu'il a absolument rien dit. Rouge, vous faites la couverture sud. On continue tout en haut. Hein. Ouais, c'est physique. T'as été le vilain petit canard, ta tête de turc, tu veux dire ce que tu veux. Et on se déploie en ligne de nouveau sur l'avant. Mec, juste en dessous là. Juste en dessous devant nous. Allez-y, allez-y, allez-y. Hein. Et on se déploie et on bouge plus. Mais qui a tué le taliban? On le saura jamais. Froggy va jeter un œil un coup à gauche sur notre contrebas. Ok. À droite, je pense que c'est bon, il y a assaut. À la rigueur, là, tu peux presque enlever tes NVG à coup et mettre ton optique. Hein, on voit rien. On voit pas mal. Ah, quoique, ouais, t'as raison. On attend un petit peu, mais ça s'éclaircit. Sylvain va tenir compagnie à Froggy au nord, là. Comme ça, vous vous ennuierez à deux. Ah, bah, c'est Froggy tout seul. J'attendais un peu bleu. Mais quoi? Ok, bien reçu. Bon, bah on va avancer tranquille et puis moitié de notre chemin. Ce que j'étais en train de regarder. Ouais, ouais mais compte pas celui-là. Ça c'est, on a tout nettoyé. Ouais non mais ça se trouve c'est America. Celui-là qui va être le plus dangereux. Vous remarquerez la non-réaction de Sparfell. Ouais, et c'est un bon Michel Maker. Il garde le suspense. Vous noterez la deuxième non-réaction.
Je crois qu'il s'est endormi sur son PC en fait là. Qu'est-ce qu'il dure? Oh putain, j'ai fait un somme et je me suis mis à rouler. N'importe putain, pas un pour me rattraper avant que je tombe dans le ravin quoi. Mais le pire c'est que je me disais il fait quoi ce con. Du assaut, si vous avez rien, vous sautez à la prochaine butte. N'importe quoi. Hirsu Asso, si vous voyez rien, vous pouvez sauter à la prochaine butte. Merci. Ouais, je m'étais aussi dit, ouais, je t'ai pas entendu sur radio. Ok, bien pris, prenez votre temps, hein, on n'est pas pressé, on va essayer de ramener tout le monde en vie. Enfin, sauf la vieille qui a voulu rester derrière. Il y a des morts? Bah, il y a la vieille qui s'est posé un trou là-bas, quoi. Oui. Il s'est reconverti en paysan. Ah ouais, à gauche. Ok, merci. Tout à l'heure, je crois que j'ai aperçu des patrouilles plus loin sur la crête, mais. Ouais, j'en ai vu une tout à l'heure très loin, moi. Où ça? Ah, le long de la crête, là. Ouais. Qui se balade. Ils vont ressortir à un moment donné, à mon avis. Et... attendre. Pile poil au mauvais moment. Oui, ça, je le sens venir gros comme une maison. Ah ben... azimut 80. Bon, 672 mètres. Ah ouais, parce que, attention, vous allez avoir une patrouille qui va vous arriver dessus depuis l'est. Ils sont plus haut sur la crête. Tu peux engager un coup ou c'est trop loin? Mute 82 600 mètres, ils vont arriver à 600 ouais. mètres sur la crête. 600 mètres. Ah, ça fait trop loin. Et mais eux ils vont direct dessus. Tu les vois? Halt tous, tous. Halt. Ah, t'as le zeroing du 145. Y a une mitrailleuse fixe azimut 70 500 mètres. 70. Alors, il y a une mitrailleuse fixe qui est depuis notre position azimut 70 à 500 mètres. Grosso modo, elle est sur la crête qui continue vers le nord. Attends, je vais te la laser à coup. Là. Assaut, préparez-vous à engager une patrouille qui va passer la crête azimut plein est. Prenez des couverts et déployez-vous. Ouais. On s'espace là quand même, par contre, parce que si réplique, ça va piquer. Azimut 70 en crête. Y va. Ouais, moi je m'éloigne. Voilà, très bien. Je vous laisse mourir et je vous soigne. Dire si on la voit bien en NVG. Ouais, sans NVG, tu la vois. Hein. Elle est entre deux buissons. En crête, la première crête que tu vois. Assaut 150 ouais, c'est une MG, il est assis. Mec. La crête. Arrêtez de ramper. Bah, tu peux tenter des tirs. Alors. Et vous pouvez engager. 500 mètres. Ouais. Vas-y, fais du balle par balle. Il tourne là, vas-y, engage. Il replique. Vas-y, t'es dessus, un peu à gauche. Un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche. Abattu. Oui, bon. Je crois qu'il est juste inconscient. Pour un saut, vous avez aperçu la position de la mitrailleuse fixe. Je vais essayer d'en balancer une. Vous vous êtes tapé, mais je crois que t'étais trop à gauche. Non, non, ouais, c'est bon, t'étais dessus là. Vous dirigez je vers sais cette pas position, si on n'est pas plus. Certain d'avoir abattu le gars. Mystery? Mystery? Il est pas dans oui. quoi? Ah, tu l'as. Il y a une nouvelle patrouille qui vient de revenir là, beaucoup plus loin. À 800 mètres de la patrouille, la dernière patrouille. Yes, j'ai vu. On va rester là, on va attendre qu'Asso ait. Ah, tu crois qu'on a le temps d'atteindre la position d'assaut là? Bah oui, largement. Bon bah go alors, on est parti. En gros assaut. Frangui, recolle. Ah ouais, je vois. Sylvain, on part à l'est. Parti, je suis prêt. Oui. Go go go. Pour assaut, soutien va prendre votre ancienne position, on a une autre patrouille qui nous arrive par l'est. Ah, t'étais parti loin toi. Ouais.
Ok, la prochaine halte, tu prends dans mon sac. Non, non, vous allez vérifier la vitesse, ouais, c'est l'objectif prioritaire. Donc vous êtes là-bas, essayez de voir si vous avez un visuel sur l'est de la crête. Si oui, vous prenez effectivement position pour pouvoir préparer et engager la patrouille. Yeah, t'as neutralisé pas mal de contacts hein, quand même. Les filles, on avance, on avance, on avance. Pas le temps de prendre le thé, pas le temps d'acheter du terrain. Courez pas trop, faut arriver en forme là, ok. Hein. Mais non, mais une fois qu'on arrive là-haut, faut être en capacité de tirer dans les 10 secondes alors. On a Froggy, j'ai pas peur. Quoi, Froggy? Ah oh ouais, easy. Puis, de toute façon, d'ici là, Asso aura fait le boulot. Donc c'est bien nettoyé. Mais en ligne, Froggy recolle pour une ligne. Est-ce que vous avez un visuel sur l'est de la crête et la patrouille qui arrive dessus? Oh, les mecs, ils sont super prêts là. Droit devant, droit devant. Ah putain! J'ai mis la sécurité, fait chier. Voilà, c'est à droite. Chargeur. Frisbee, je pense qu'il va falloir avancer encore jusqu'à la prochaine. Attends, 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 le mec il bouge là. Encore? C'est une blague? Je vois pas, moi. Là. Ah si, si, y'en a un, mais il était dans le creux là, il y a un petit creux. Ouais, c'est ceux qui sont de l'autre côté là derrière. Ouais, mais... Bah, c'est ceux-là que j'aimerais bien que t'engages en fait, mais d'ici oui, mais je suis d'accord, mais... Ouais, hop, on avance alors, dans ce cas-là. Le chef va parler. Continue. N'hésitez pas à allumer vos lasers, ouais. Pour un saut, soutien, vous déplacez sur la droite pour prendre position sur la hauteur qui est un peu plus loin. On a tendance à oublier le côté droit, hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Temps est clair. Sylvain? Oui. Il me faudra une validation qui arrive dans la vallée qui est à notre sud là. Ah, faut que tu prennes mon sac là. Attention. Faut surveiller le sud là parce qu'on a rien vu pour l'instant dessus. Et... Mais sur cette colline là? Bah ouais. Bien coup. J'ai l'impression qu'on enchaîne les visites de merde, c'est une catastrophe. Bah ils sont passés où les cocos qu'on a vu là? À gauche là. On les voit pas là, pas normal. J'aime pas ça. Là tu vois pas mal sur NVG un hein, con. Comment pour un saut, vous voyez encore d'autres contacts? Ok, parfait, merci. Frisbee? Oui. Tu jettes un oeil sur le sud-est là? Sud-est, sud-est, sud-est. Bah, Froggy est dessus. Oh putain, bon, mais. Ok, il y a Froggy qui est dessus, donc tu pourras encore lui tenir compagnie. Ils vont arriver sur nous et puis après on va les faire avancer devant. Ok, merci. Ok, Celt, vous arrêtez pas, vous continuez de progresser le long des crêtes là. Ok.
continue le long des crêtes, on s'arrête pas. Merci. Vas-y, 8 ou... Ah, je crois que c'est... 60. Deux tiers. On va être sur le point culminant devant. Après, on redescend petit à petit. Putain, là, je prends une photo quand même, parce que l'équipe soutient... Nickel, quoi. C'est... Comment The Formation, quoi. On est en ligne, quoi. Ah ouais, en ligne, le chef qui regarde de loin, le Froggy et Sparfel sur les extérieurs accroupis qui surveillent, et la MG prêt à tirer, quoi. Bon bah prends une photo, ça te fait plaisir. Engagez-vous. Devenez vous-même. C'est ça. Du coup Froggy se barre. Ah, je regarde un peu plus loin sur le côté, je deviens moi-même quoi. Ça rendait pas aussi bien les villages éclairés en fond de vallée sur Arma 2. Hein. Vous avez pas le visu de lointain des lumières comme ça. C'est beau. Ça faisait longtemps. Bon, on les voit plus là, les gus devant là, c'est ça? Négatif. Bon, ben on va les suivre. Alors, ils ont tous été tués. On est partant. C'était écorché. On y va. Dans le silence. Bah là le point qui est devant vous, c'est le point le plus haut que vous attendez là-haut. Allez. Oh, c'est celle derrière. J'avais dit qu'il était... Ah, il y a Ellingen qui nous a fait tout un discours l'autre jour pour nous dire à quel point il pouvait plus jouer à Arma 3 parce que les nuages le rendent malade. Quoi? Oui. Il les trouve tellement moches que ça le lui donne la nausée. Faut pas chercher, c'est Ellingen après, mais... Ouais, j'avoue que là... Pour lui, et enfin il nous a cité tout plein de jeux avec des skybox toutes plates comme référence pour avoir un bon ciel. Ah, bah, ça... Oui, mais les nuages à zéro, il y en a pas. Hein. Voilà. Il est juste deg. Ouais, ils sont bien, moi je trouve les nuages d'Arma 3. Bon, oui. Ouais, quand tu tournes la tête, ça fait un effet de... T'as l'impression que... Je sais pas. Regarde avec la lune derrière. C'est bizarre, mais... Avec la lune derrière... Ah oui. Bon, on est tous en train de regarder ça, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde? Et là, il y a un taliban. En fait, c'est comme ça qu'ils sont dans le tracking, c'est pareil, tu sais. Là, il y a un mec qui leur a sauté à la gorge. On s'arrête tout en haut, hein. Ils sont là, les potes. Ah bah, on s'arrête à côté d'eux. D'accord. Ah non, il y a un RPG dans le coin. Ah. De quoi? Ah bon? Un pont. Non, ouais, Frisbee, tu te déploies par là. Non, il y a rien du tout. Il y a que des. Il y a plein de buissons. Et les buissons, ouais. Attention, ils vont te tuer. Hein. Ah, à coup, il est traumatisé, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est pas gêné. T'as libre derrière. Ah putain, il y a une position fixe, je crois, là. Ça. C'est ça, du monde. Elle est où ta position fixe? 834 mètres pour moi, azimut. 65. Ouais, vu. Sur mon laser. Effectivement. Bah du coup, Asso, ah ouais, vous putain. Allez partir... Comment t'as vu ça? Je pense qu'en contournant sur le flanc droit là, il va pas nous voir. Qui joue sur un écran cinéma. Quoi. Non, j'ai un Vector. Ah, ça, avec le Vector, je vois que le canon. Setch. Ouais.
Tu fais un check-up sur tout ce qu'il y a sur notre sud-est. Et après, ouais, tu te cales sur le flanc droit de la crête là. Pour l'objectif, c'est les rochers qui sont au 70 sur la droite de la cible. Ok. Vu comment elle est placée, si vous arrivez sur le côté, là, je pense qu'elle devrait pas vous voir. Ok. Il est temps de l'attaquer par derrière. En même temps. Okay. Ok, on fait ça. Gueule, la vieille. Ok, on fait ça. Froggy, je t'avais dit qu'il fallait te buter. Frise, vous êtes parti où? Oui. Tu me fais une vérification bleu, de tout ce qu'il y a sur le nord et après on va aller sauter sur les petits rochers qui sont au 60. Froggy, c'est ta mission. Le nord. Le nord. Quoi? Il va? Check, y'a rien, c'est juste ça. Ouais, oui, chef. Accompagne Froggy, parce qu'il a l'air triste tout seul. Ah, les pauvres gars, quoi, ils ont juste couru pour aller voir rien, quoi. Tu le vois ouais, pas mais... Non, mais moi je te rassure, j'ai un. Ah, on le voit j'ai à peine. On j'ai voit un peine, putain on de voit. Buisson moi, et j'ai que le canon. Voilà, c'est ça, ouais. Tant qu'on n'a pas confirmé qu'il y avait personne dessus, on va considérer qu'il y a quelqu'un dessus. Bah c'est bien imité alors. Hein. J'adore t'entends Sèche qui fait son briefing juste en dessous. Oh, ne mouillez pas trop votre pantalon, les gars. Pourquoi on devrait mouiller votre pantalon? Parce que Acre, c'est bien. Je t'avouerai que là, j'ai du mal. Avec les touches, laisse tomber quoi. Hein? Avec les touches, je me gourre tout le temps. Oui, oui, c'est parce que c'est les nouvelles touches, mais il y a trois touches à savoir quoi, ça va. Oui, c'est vrai, mais j'ai tellement de réflexes. Oui. Tout pour une touche pour changer de radio, t'as une touche pour configurer ta radio. Attends, je te laisse y repérer quelque chose. Ah. Froggy. Froggy. Sylvain. Froggy. Sylvain. Sur là-bas. Ah, ouais. J'entends... T'entends pas Mystérie qui crie Sylvain. Sylvain. T'es où? Arrête, sur TFR t'avais jamais ça. C'est ça qu'on a perdu en passant à TFR. Wow. Sur l'arrière les mecs, sur l'arrière. Pour information contact traité. J'ai checké un peu sud.
Ouais, il y a toujours rien là. Voir juste là, mais je pense que. Ok, très bien. Bon, il faudra surveiller les 6 heures de temps en temps. Hein. Voilà, pour le coup, ouais. Ok, bien reçu, assaut. Bah, progresser doucement sur la crête. Attention, la MG a tourné un peu, j'ai l'impression. Donc, faites bien le tour par l'ouest pour par l'est pour la prendre par le dans son dos et prenez position sur la hauteur. Ok, bien reçu, vous pouvez revenir. Bon, je vois clignoter sa lampe. Bah, dès qu'ils sont là, on part sur les rochers là, au 60. C'est ce qu'il disait, ouais. Pourquoi t'as. Ouais, je sais que je suis beau. Ah non, mais c'est dans le noir. Non, mais ça, la NVG fait pas noir du tout. Enfin, fait pas noir. Hein. C'est... Ouais. C'est compliqué de jouer comme ça, oui, mais c'est beau. Ah, bah, moi, il est normal, hein. Je l'ai pas changé. Hein. Ah, il y a la lune qui éclaire. Hein. Alors, moi, je. Bah, écoute, dans 30 secondes, j'ai plus de lune non plus, là. Il y a une norme de nuage qui arrive. Bah, allez, Azimut 280. Et ben là, j'ai mon méga nuage qui arrive. Bon, et ça s'assombrit. What? Putain, j'ai tourné la tête, le nuage a disparu. Ah bah oui, c'est toujours comme ça. Non, c'est pas possible, n'empêche. Ah putain! Le nuage change de forme à chaque fois que je tourne la tête, c'est énorme! Non. Si, si! Ah ouais? Ah putain, merde. Bon, tu publies pas cette vidéo à coup. Hein. Je crois que l'objectif est traité. Bon, mais ils arrivent. Ah bon, on peut partir sur les cailloux alors. 60. On est parti. Vous avez vérifié, ils sont tous morts? Oui. Vous avez récupéré des affaires dessus? Non, il n'y avait rien. Pas une bagouze, pas une montre, rien. Même pas. J'aurais bien pris un. Une dent en or. J'aurais bien pris un pistolet s'il y en avait un qui en avait, mais même pas. Pourquoi faire? Souvenir. Ah ouais. Mais non, c'est bizarre qu'ils ont pas répliqué, ils ont pas tiré une fois. Ouais, ils nous ont pas vus, ils ont pas eu le temps. C'est vrai que c'était des tribus afghanes amies. Et la police afghane. Reste tout le temps allumé ton laser, Froggy, il s'éteint tous les 4 matins. Là. Non, je peux l'éteindre. Hein. Non, mais moi il s'éteint tous les 4 matins. Il suffit que je baisse mon arme ou un truc comme ça, il s'éteint. Ah, le mien il est costaud. Il est pas fatigué. Bon, bah, une fois qu'on est là-dessus, surveillance de nord-ouest pour défoncer le campement. Campement. Il faut qu'il y ait repéré tout à l'heure. Ah bon? On va avoir visuel dessus? Bah, j'espère. Ouh. Pense pas, hein. Ouais, là, tu vas être trop loin. Ah non, ouais. Non, t'as raison. Ah, on est pile poil si. Genre où il faut, là. Ouais. T'as raison. Ouais, mais c'est trop loin pour un coup. Ah oui, elle est toujours pas revenue. Non, bah, c'est dit. Là, c'est son PC qui est brûlé, quoi. Bon, on va peut-être se décaler un peu plus bas, du coup, parce qu'on voit que dalle. Ok. Bon, en fait, je sers à rien. Froggy, je vais faire binôme avec toi. Ok. Pistari, il va commander l'ensemble. Non, ça me va bien. Je fais que répéter les choses, je trouve ça.
On va là, bah, bah on va là alors. Il y a plein de méchants. Oh. Ah bah voilà. On fait quoi du coup? On se barre ou Ah mais attendez, de toute façon faut qu'on parte au nord. Oui. Bon bah on part au nord du coup. Mais on peut passer par le camp. Regarde, tu prends le petit vallon, ça t'emmène directement sur... Eh bah écoute, je te suis. Quoi? Allez Froggy, va le premier, je te couvre. Pourquoi moi? Non, non bon, on y va. Tu veux passer où? Tu veux descendre tout en bas toi? Bah là, tu descends, tu suis le vallon, t'arrives sur objectif. Pas sur la désinsertion, l'extraction. Désinsertion. Oh c'est dur. Ok ouais. Bah vas-y. Ah mais attends, on est une IGS ou on n'est pas une IGS? Faut aller vérifier quoi. Même si c'est des bergers, on les bute. Ouais, on s'en fout. Ouais. Mystérie, bon, ouais. On part en direction, ouais, bon, 350 à peu près. Okay. Restez un peu sur la hauteur, on va faire descendre comme un saut. Comme disait un berger, la montagne et la citadelle. Ok, Froggy, tu passes devant, on part légèrement sur la droite du vallon. L'objectif pour vous, c'est de rejoindre la forêt qui est en 42-74. Il y a un campement ennemi sur Oui, bon, après, ça dépend du choix combien sur la droite. Bah, en fait, faut rester en surplomb du camp, quoi. C'est ça l'idée. Ouais. Ah mais non, j'ai dit que je suis Froggy, Facey. Rouge, alors par là, Froggy. Ouais, okay. Vas-y, vas-y, vas-y. Avec par contre, on risque de monter de couvert. On est dans la vallée, là. On est au nord de... On est en 43-72, direction nord-est. Même pas un blessé. Attends, 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 c'est jamais. Pas un qui peut se casser la cheville. On va dire un coup de faire une erreur de tir sur notre équipe. Ouais, mais il les touchera pas. Il les touchera pas du tout. Frisbee, dès que t'as un visuel, on s'arrête et puis on se positionne. Okay. Au visuel, Froggy, tu t'arrêtes. Ouais, c'est... J'en ai vu au moins un, deux. Ah, il y a des contacts, c'est cool. Il y a du contact, Mystery. On a bien fait de venir. Ah, c'est des ennemis. Ouais. Des vrais. J'en vois pas, mais... Pile devant le camp, le feu de camp, j'en avais vu deux. Ah bah là, il y en a deux. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est... ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont alertés d'ailleurs. Je te proposerais bien l'option AT4, éventuellement. Mais... C'est toi qui vois. De quoi comme ATI? Hein? HE? DP. Ok, bien reçu. Oh bah... feu de camp qui est dans la vallée, nous. Ok, déploie-toi. On peut te déployer, Froggy? Bah, je le suis plus ou moins. Ok. Ouais. Backblast, c'est bon. C'est quoi le désir? Distance? Ah oui, tiens, pas con. Je suis en train de perdre des réflexes, ça va pas. 148. Ah oui, 148. Ok, prêt. T'as autorisation de tir. Je tire. Putain, le mec, il a pas bougé quoi. Inefficace au possible. Ah bon? Ouais, je te jure, le mec, il a pas bougé. Le seul mec que je vois, il a pas bougé. Ouais, je suis à volonté dès que vous voyez. Ouais, je pense qu'on a été assez peu discret. Avec Froggy, on va avancer sur la zone. Il y en a un qui est couché derrière le premier arbre, Froggy. Ok. Là, mon laser. Ouais. Ah putain, de laser. Ah putain, je tire sur une branche d'arbre.
Il disait putain, mais il tient bien lui, j'arrive pas à le toucher. Rouge, essaye d'avancer pour prendre meilleur visuel si vous avez plus rien. Et voilà, bon, Jeff, que je veux dire, à l'arbre couché là. Bref, vous avez tout. Il y en avait au moins deux. Ouais. Donc il restait juste légèrement au-dessus d'eux là. Plusieurs contracts contre bas du camp en direction de l'extraction. Vers mon laser. Pourquoi j'allume là? C'est quoi ce délire? Pourquoi un peu plus à droite là sur mon laser. Ça monte là-bas. Un qui court là. Il tire, il réplique. Wow. Fais gaffe hein, ça siffle. Froggy, c'est toujours bon. Ouais. Froggy, gauche, sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche. Gauche du temps, gauche du temps. Et je l'ai eu. Ouais, d'ailleurs. Wow. Voilà. Ouais, c'est à ta droite. Toujours gauche du sud. C'est qui ça? Non, je crois que c'est bon, il est tombé. Ah non, on est allé voir Nord-Est, y'a rien. Les départs, potes, quoi. Les tirs que t'entends, c'est derrière toi. Plus au sud-est. Bon, j'ai essayé de prendre position pour visuel ça. Sur contrebas du feu de camp. Ils ont des contacts sur leur nord. On se dégage un peu à droite. On laisse le feu de camp allumé. Ah, on est pas mal là. Wow. Ah, il y a des mecs juste à côté. À 50 mètres en face de nous là, en 10 minutes 0. Mais il est mort là. Ouais, bah il doit pas être tout seul. Grenade. J'ai dit mais c'est quoi qui me regarde là? Il a pas tiré, j'ai pas compris. Il avait largement. Il a pas de LVG, il voit que dalle. Ouais, bah, il fait quand même clair hein, là, regarde. Ça va, en plus la lune est derrière en moi donc ouais, il y a vraiment. J'aurais dû mourir sérieusement là. Qui est bien reçu pour soutien, bah du coup, continuer à progresser dans la vallée là, c'est très bien, ça va mener vers la sortie. Commandant pour assaut, rapport. Mais ouais, mais regarde là quand même, j'ai le truc derrière et il avait vraiment. Commandant pour assaut, rapport. Il y a un arme. On avance en parallèle des autres, je pense. Hein. Ils sont avancés là, vas-y. De rouge, on avance en parallèle de vous sur la hauteur. J'allais vous proposer, après avoir vérifié qu'il n'y a plus rien devant, vous confirmez. On voit pas super bien parce qu'il y a beaucoup d'armes, mais a priori c'est à peu près dégagé. Ok, recollection parallèle, on avance. Il est bien mort le mec.
Bon là on a bon visu devant vous et c'est vraiment clair. Ok reçu, on va stopper là, on va attendre le commandement IASO. À l'arbre là. Regardez au fond là les fortifications. En direction des exploitations pétrolières là au nord, il y a des contacts, une patrouille. C'est loin pour l'instant. À peu près dans la direction de votre laser là. C'est qu'un chargeur, deux chargeurs à répack ensemble, ça va aller. Regarde un peu derrière. Il va tout arriver là. Et on approche de la fin là. Elle est de Lima. T'as pas un endroit, enfin une position en position intime, t'as pas de problème. Regarde ça, patientez. À mon avis, la dernière fois que je l'ai vu, elle devait être aux environs du 045-089. En gros, elle longeait le plateau, tu vois, dans un axe sud-est, sud-ouest, pardon. Ah non, moi je l'entends. Oui, mais... Et on va pousser jusqu'au point 2327. On vous rejoint là-bas avec vous. 327. Ah, ok. La petite colline qui doit être un peu là-bas devant. Ouais. Ouais, c'est ça, je pense. Allez.
Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, où est-ce que est notre petite patrouille? J'ai dit quand je l'ai vu la dernière fois, c'était par là-bas là. Wildrid est en mode de... Ah, sur ce flanc. En fait, sur le dessus quoi, juste à la limite de la crête là. Comme ça, peut-être qu'elle est par là maintenant, je sais pas. Alt F4 plutôt, c'est plus drôle. Vous avez repéré des trucs? Bah, on cherche toute la patrouille précédemment. Ok, j'ai visuel sur une mitrailleuse lourde là. Oula. Oh, du lourd. Mitrailleuse lourde à 818 mètres azimut. 3. Ah oui, on va dans un bunker. Dans le coin. Vas-y. Oh la vache. On a encore nos AT, hein. On a encore nos AT, on a encore des grenades. Il tire à 800 mètres ton AT? Non, non, enfin, vu les trucs qu'il fait, l'AT. Pas très confiant. Pointe-moi la mitrailleuse, amène-moi à 400 mètres. Non, allez, 300. Ouais. Il y a peut-être moyen de faire un tir. Hein. Ah, attendez, il y a une patrouille azimut 340 là qui part en ouest. Ça peut être celle-là. Ça doit être ça. Assaut, il m'entend? Ouais. Oui, oui. Oula, ouais, mais ça part pas dans le bon sens. Ça. Tu vois le bunker qui est azimut 350? Azimut 350. À gauche du Derrick là. Ouais. Bah on va là. Ici. On va là ou je vais là? Eh ben tu passes devant et nous on va te suivre pas très loin. Ok. On fait ça. Enfin, tu fais ça. Je donnerai une sucette aux blessés graves. Oh oui, oui, oui. Vous avez entendu le chef, on part sur le bunker au 350. Au-dessus à gauche de l'antenne. Ouais. Sur Matif. Au-dessus. Rouge, on est parti. Frisbee, on leur laisse 200 mètres d'avance et puis on suit. On suit. Vous embrayez okay. Rouge. Bah, tout d'ici, on sert à rien. Il y a personne dans la vallée. Il y a apparemment un coup n'est pas chaud pour tirer à plus de 500 mètres. Alors, c'est ce qui baille là. Après moi. Une petite couverture. Hein. Et tu touches? C'est pour faire de la lumière, quoi. Il met l'ambiance. Cool DJ. C'est parti, ça y est? Ouais, tiens, Froggy, suis. Ils sont partis sur ta gauche, là. On les suit? Bon, ouais. Azimut bunker, de toute façon, ouais. Ok. Azimut bunker. Du, visuel, là. Je vois pas vraiment. La boussole met tellement de temps à tourner que. Le DJ à coup est dans la place. Toup 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 voulu loup. Ah, et pétard. Ils essaient de régler leur viseur, c'est ça? Ouais, et j'ai toujours la boîte pleine. Mais j'ai la boîte de préservatif si tu veux. Qu'est-ce qu'il raconte derrière? Ouais, c'est t'as bien aimé goût banane. Et fruit de la passion. T'as plus ton AT mais tu avances quand même comme un vieux papy quoi. Bah voilà hein. Faut bien que je compense pour le départ de la vieille. Oh, tu fais pour aller si vite, ni. Bah écoute, je sais pas. Voilà. Toi t'as l'air baissé, Froggy. Bah. Ouais, normalement, ah, toi ouais. T'as l'air baissé, ça va aller plus vite. Regarde. Ah, si, regarde. Quoi? Ouais. C'est léger, mais. Ouais, ça doit être ça.
un lieutenant avec 3 chevrons, donc c'est argent. Ouais. Je suis assez un peu savant, moi. Oh, putain, la lune. On pensait que t'avais le temps. Essaye de récupérer un visuel sur la patrouille qui est à l'ouest si tu peux. Un visuel sur la patrouille à l'ouest. Personne sur le bunker. Non. Tu check les ruines aux alentours. Okay, bah, dès que c'est bon, deux postes de tir au pied. Pas de visuel sur la patrouille précédente. Là. Ils ont disparu ? Ouais, je pense qu'ils ont continué beaucoup plus loin. Il avait derrière la crête là, qui est à l'ouest. Mmh, je pense aussi. Ouais. Bon, eh ben on va pas rester là alors. Hein. On suit ? Ouais, okay. On suit à saut. On est reparti. Ça m'attriste moi le coup de la roquette d'avant qui fait absolument rien. Ah, je te jure. Mais ouais, c'est bizarre. Hein. T'es sûr que c'est une HEDP? C'était écrit dessus après. Contrefaçon chinoise. Vas-y, il est même pas plein. Quoi. Non, reste patrouille. Nord-Est patrouille. En droite, ouais. On prend position, on les attend. Oula, oui, oui. Négatif, ils nous tournent le dos, hein, ils partent. Ah, soyez discret, les mecs, restez discret. Va jusqu'au bout du bunker, dans les petits regards. Attends, Muret là. Ils partent à l'opposé. Ils partent à l'opposé, ils partent au nord-est. Faudra aller au rocher. Assaut, dès que t'es prêt, on les fume. Assaut, vous êtes prêts? Assaut, vous êtes prêts? Oui, prêt. On peut les allumer. Feu. Alors on est bon, quoi. Là non plus, ah, je crois qu'ils ont compris, les gars. Ils ont eu tous les lasers et ils les ont été en fur et à mesure. Ah bon, ils ont bien répliqué. Oh, oh. Ah non, 20 mètres de plus, elle aurait été magnifique. Ah, j'ai pas 70 mètres. C'est bon, j'ai pris une photo et je vais marquer fuckball le retour. 40 pour neutraliser la mitrailleuse lourde qui est dans le bunker un peu plus bas. Ils sont tous morts. Tiens, on va rester positionnés. Bah, tire, attaque. Assaut, on part à 1040, on va neutraliser une mitraille. Est-ce qu'on a spoté tout à l'heure? C'est une bonne position, oui, je passe. Je descends vers 40 dans les rochers. Quoi ça? Ouais, t'as aussi entendu un truc? Ah les gars, je me fais attaquer là. Ah. T'es sérieux? T'as mis de l'ambiance. Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà le 14 juillet chez toi ou quoi? Il fait quoi chez toi là? Colonel pour infirmier, je me fais lourdement attaquer, demande soutien. Le feu de la Saint-Jean, il fait déjà un truc. Ouais, c'est ça, c'est le feu de la Saint-Jean. Ah ouais? Ouais. Ils ont t'as encore le droit de faire ça, de cramer. Je crois que c'était pas écologique. Ah, mais on est en Bretagne, on n'est pas en France, hein. On fait un peu ce qu'on veut, c'est pour ça. Ouais, les mecs ils démontent des parties complètes, ils disent, tout va bien. On devrait pas faire. Non, tous les ans il y a ça. Longtemps chez moi non plus. Ça se faisait beaucoup, mais feu de la Saint-Jean ça se fait plus trop, je trouve. Ah ouais, bah non. Côté sécurité, bidule et machin, enfin, certainement. Hein, certainement. Il y a toujours des cons pour aller sauter au-dessus du feu à partir d'un moment. C'est clair. Le problème, c'est que les pompiers qui sont sur site, ils sont imbibés et exactement. Quand ils se rapprochent à moins de 10 mètres du feu, ils commencent à prendre. Ça fait des pompiers flambés.
Coucou la caméra. Tu prends juste un extrait de la vidéo avec ça et tu fais genre que t'as sorti un nouveau mode sonore. Ah bah ça. Oula. Alors y'a un mec tout seul, Azimut 180. C'est un mec qui s'est relevé non? Je sais pas, mais il a 1400 mm. Oula. Putain mais ils sont pas capables de faire une lourde là, tant de qu'ils vont chercher normalement. Bah oui. Je le vois où? 5 morts, je suis sûr. Putain, on va dire. Oh, il y a. Ah, je vais peut-être servir à quelque chose. Ah, je vais ramasser des morceaux, peut-être. Ouais, hein. Pour assaut. Je le vois pas le contact tout seul là en arrière. Non, mais il est à 1400 mètres, c'est normal. Ah. Ok. Ah désolé hein, je baisse. Oh. Un gars décédé c'est ça? Oh les gars, moins fort. Ok bien reçu, bah poussez jusqu'au... Je suis avec ma télécommande prochain... dehors, j'essaie mais ça marche pas. Alors oui, il est quelque plus loin là, on va vous rejoindre. Whisby? Ouais. On recolle à l'assaut là. Putain, je suis passé à travers on 3 lignes de tir là. On recolle. Je passe devant ou... Ouais, ah, comme bon. Vous voulez, allez-y, oh, bah, taillou. Taillou. Sylvain qui se travaille avec tout son... C'est pour faire peur à l'ennemi. Sylvain, c'est comme les poupées qu'ils avaient balancées avant le débarquement. Il explose tout seul. 140 les mecs, 2 mecs sur la crête. Quoi, là il fait quoi, mon mec? Ouh la crête, ouais, ouf, oulala. Là là. Allô, hein? 3. Ah oui, d'accord. Ouais. Peut-être même 4. Ah oui. Azimut. Oh putain, t'as rien trouvé plus près. Azimut 140. Désolé. Merci. Non, c'est loin. Ouais, hein. Oh, on peut tirer à 400. 50 mètres avec nos armes là. Ouais, il y en a du, il y a du monde, hein. 5. Peut-être 6 même. 5 confirmés. Ouvrez le feu. Ah bah oui, hein, si vous plaît. Akou, tu veux tirer? T'es prêt? 450 mètres. Le guide, vas-y. À vos ordres, chef. Tu lui prends. Mets-toi debout, sur... mets-toi accroupi sur derrière un mur, au pire, y'a plein de murs là. Ah, ça arrive à la limite là. Ah oui! Et il tire dans le mur lui. Ah non. C'est pas mal. Ah, mais ils sont beaucoup plus que deux en fait, ils sont pas. 6, 5, 6. Ah! Il y en a à droite qui rampe si tu veux, du coup là. Ça va peut-être plus facile parce qu'il est pas entre crête tout à fait. Putain, avec la petite N4, mine de rien. Hein. Ouais, t'es bien, t'es bien. Ouais, c'est derrière. Je sais pas si vous avez vu, mais vous avez des chargeurs de traçant, hein, les mecs. Hein. Pas moi. Ah, t'en as pas? Eh oui, y'en a un qui s'est levé là. Mais je crois qu'il est mort. Ok, allez, on avance. Que Sylvain ne fasse trop de bruit. Go. C'est bon, t'es déployé, on peut y aller à coup. Premier. Ah, merci. Froggy. Thank you.
T'as un à-coup qui tire chez moi, j'arrive pas à mettre au but. Hein? Une odeur de cramé, quoi. Non, non, pas du tout, justement. Une odeur d'alcool. Hein? Comme si il y avait une bouteille d'alcool fort ouverte à côté de moi sur mon pitch, je commençais à penser que je devenais. On voit bien là en fait. Il en voit bien là en fait. Non, ça va quoi. Dans les parties, dans les flancs pas éclairés par la lune, c'est moyen, mais. En fait, c'est mon père qui est en train de se faire bouffer par les moustiques et qui a mis tellement d'anti-moustiques sur lui que même à 3 pièces de moi, il arrive. Attends, il y a quand même un truc. Le commun des mortels utilise citronnelle. Ton père, t'es en train de me dire qu'il utilise de l'alcool à 90. Je sais pas, mais ça sent c'est alcoolisé. Comment tu fais fuir les moustiques? Bon, moi je m'asperge de whisky. ok, on coupe pas. Quand on n'allait pas me dire que ça sent de la citronnelle. Ouais. En fait, il boit quoi. Il n'ose pas te dire. Tu parles, c'est pas du tout le genre en plus. Il boit un quart de verre de vin, et il faut déjà aller le coucher. Ah bah là, ouais. Kelly, ah, soutiens, mais... on suit assaut. Ma mère, c'est encore pire. Ah, mais ma c'est mère, abusé, elle a essayé de le regarder le verre de vin. Non, mais. Dans la région la plus viticultivée. La viticultivée. Ah bah t'en fais pas, moi j'aime bien. Ah, ça me rassure quand même. Ouais. Je l'invente le vocabulaire. Hein. Des extractions, là, des insertions. Ah non, un bon petit Gewürztraminer, c'est important. Hein. C'est bien. Ça me va. Et un petit whisky. De temps en temps, mais c'est pas très local ça. Non, j'allais dire, c'est pas très local. Mais bon, avec modération. Comme ça, c'est la guerre sur la vidéo d'à coup, hein, les enfants, avec modération. Avec modération, ouais. Ah, mais ils ont cramé tout le budget de la commune, quoi. Ils auront plus rien pour le 14 juillet chez lui. N'oublie pas que c'est Rennes, nous on a de l'argent. Ah, ouais, Rennes, ouais, bon, la grande ville, ça va. Faut te lever, garçon. Allez, tiens, parce que t'avances pas, mon pauvre. Comment ils font cramer un truc de la Saint-Jean à Rennes? Ils foutent le feu à une maison? Parce que, enfin, voilà, c'est une ville, quoi. En général, c'est en campagne que ça se fait, hein. Mais là où je suis, t'as juste au milieu d'un grand parc. Comment un grand champ énorme et ils font ça là-dessus. Sympa. Et le mec il préfère jouer à Arma quoi. C'est ce que j'étais en train de me dire. À vrai dire, il y a un feu de la Saint-Jean dans tous les villages autour de chez moi et j'y suis allé qu'une fois et ça m'avait saoulé. C'est juste un rassemblement de poivrons. C'est trop ça. Debout, les loué, debout. Sérieux. Bah, il passe pas. Mon sac à dos, il passe pas. Putain, mon sac à dos, il passe pas. Sérieux ? Ouais, oui. Bah, ouais. Hop, ça dure aussi longtemps. C'est plus sur l'ouest, là, par contre, le sorcier. Ouais. T'es sûr ? Bah, ouais, on est en 49-95, là. Ah, putain, ouais, on est beaucoup trop loin, en fait. On est juste 300 mètres trop à l'est. Ah mais merde. Allez Sech, go. Tu voulais aller où, à l'aéroport? C'est ma faute, oui tout à fait, j'ai dit droit vers l'aéroport. Allez go. Je suis complètement craqué, bon bah... Viens, on est pas arrivé là. Bon ça tourne bien, comme ça les 5 minutes d'attente. Et on se dit, bon bah ils sont pas là. Quoi? T'as déjà l'audio Yannico là? C'est ça qu'il a dit? En visu?
Ah, t'as un gros truc qui vole là, une grosse loupiote. Ah ouais, ouais, ok. Et où? Devant les airs contre les feux. Est. Du pétrole qui tourne. Ah, d'accord, ok, vu. La grosse luciole, c'est bon, j'ai. Il faut sur Lima, assaut, vous surveillez 180 degrés ouest et soutien 180 degrés est. On laisse assez de place à l'hélicoptère pour qu'il puisse se poser. Sur extraction. Oh là là. Oh là là. Déchéance. En couvre est. Je sais plus, enfin j'ai oublié. Là j'ai oublié. Il va beaucoup trop loin ce con là. Il va nous faire un truc de via arma. Hop. Je monte à 5 km. Coucou les talibans, je suis là. Et on peut s'arrêter là. 80 mètres. Ouais, parce que c'est là où on voit quelque chose. Non, il arrive plus vite que... qu'à l'arrivée. J'ai jamais regardé la lune dans un viseur, mais elle est bien faite en fait. Hein. Ça va durer 10 minutes la vidéo. On y va pas? Non, faut rien faire. Il y a la vieille qui nous appelle. On embarque. Ça, j'y arrive. Ouais, c'est pas trop mal. C'est vrai que c'est beau, c'est même très beau. Ouais, il faudrait juste que ce truc s'enlève. Je suis un spectre. Assaut à bord. Soutien à bord. Négatif. On va. Jusqu'au bout. Ouais, d'un coup. Jusqu'au dernier moment. Madrid à bord. Tu vas monter? C'est bon, vous êtes tous à bord? Assaut à bord? Ouais, on voit rien. Ah bon? Yep. Ah ouais. Affirmatif, on est tous là sauf le Delta Charlie Delta. Et le La Vieille. Et La Vieille, je suis sûr ça a bugué. Ah, well done, soldiers. Ah non, c'est pas mal. Pourquoi je peux partir avec Night Vision? Ouais, c'est dans les hélicos, je sais pas pourquoi on peut pas. C'est pas réaliste. Si on peut les retirer. On l'a glissé dans l'inventaire. Bah oui. Tout. Ah. On peut même plus les remettre. Si on les fait glisser. Il y a des rapias qui, dans le doute, ils prennent quand même des chargeurs dans l'inventaire de l'hélicoptère. Oui, c'est un parachute qui vient de disparaître aussi. Pourquoi je peux pas le prendre? Je peux pas l'équiper. Il y en a qui ont confiance. On sait jamais. C'est pour tout le monde. À cette altitude-là, on te retrouve plat comme une crêpe. GG. On était à quelle altitude? Pas grand, pas suffisamment haut pour un parachute. Et là on va entendre boum. Ah, 200 mètres ça me suffit moi pour un saut. Rifleman.
On a perdu tout feu. Et oui. Ouais. C'est malheureux.